En 1934, comme le veut l'histoire, Mercedes-Benz avait un problème. Sa dernière voiture de Grand Prix, la W25, pesait 751 kg, soit 1 kg de plus que la limite autorisée. On ordonna à l'équipe de course de poncer la peinture blanche, laissant apparaître la carrosserie en aluminium qu'elle recouvrait. La flèche d'argent mise à nu remporta la course, et la légende était née. La W154 de 1938 était propulsée par un V12 suralimenté de 3 litres, délivrant près de 500 chevaux, et son pilote pouvait régler la suspension de l'intérieur du cockpit. L'écurie profitait d'un soutien extrême de la maison mère et bénéficiait d'un budget illimité. Les flèches d'argent poursuivirent leur domination sur les Grands Prix, mais la tragédie survenue au Mans en 1955 entraîna leur arrêt de la compétition. Le surnom fit sa réapparition en 2010, avec le retour de Mercedes-Benz sur les Grands Prix.